officiellement ça va faire la troisième fois que je tourne cette vidéo. Et ben j'en ai marre, clairement j'en ai marre, c'est un enfer comme pas possible. Du coup salut à tous les gars, salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Je vais te prendre la jeune 50 et la décaler. Bon je t'avoue que là j'en ai ras le cul hein, mais je suis quand même motivé. Au lieu de me voir rouler, bah là tu me vois la pousser. Tout simplement une hallucination collective. De toute façon quand je roule on m'entend pas. Elle fait beaucoup trop de bruit. Donc là le problème que j'ai eu c'est que le micro il a complètement planté. Je sais même pas si je vais pouvoir vous mettre des séquences quand je suis sur la route en train de rouler parce que ça plante à chaque fois. J'ai pas l'habitude. Ah il m'a pris, wesh il a gueulé. Oh il a gueulé comme un ouf le gars. Aïe aïe aïe. Donc de base je voulais te présenter cette jeune 50 aberrante. C'est la troisième fois que je m'y reprends, j'en ai marre. C'est pour cela que j'ai commandé une nouvelle caméra. Voilà, là je suis sur une GoPro Hero 8. Je pense qu'elle a fait son temps parce que parfois elle bug et je peux pas me permettre que parfois elle plante. Alors que j'ai envie de revenir sur YouTube plus fort que jamais. D'ailleurs ça me fait super plaisir de vous retrouver les gars. J'en profite, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram parce que c'est là où je lâche toutes les infos. D'ailleurs j'ai prévu une rencontre à Beau ou un petit rassemblement quand je récupère mon permis, on va dire pour fêter ça entre guillemets. Je vous communiquerai la date en temps et en heure en story sur Insta, du coup n'hésitez pas à me follow. Pour pallier à ces problèmes, à ces petits bugs, je me suis commandé une nouvelle caméra, voilà, une GoPro Hero 11. Normalement je devrais plus avoir de soucis avec. Franchement là j'en ai marre, à chaque fois que je fais une vidéo, bah ça fonctionne pas, ça me pète les couilles. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette 50? Alors premièrement c'est que c'est une SM Trigger avec un petit kit déco générique, enfin c'est une générique, voilà. Moteur AM6, je crois que c'est une 2008 ou 2011, je sais plus trop. Mais elle a pas mal de soucis, elle a 37 000 bornes. Je l'ai récupéré à 33 000 bornes, voilà, je l'ai mis pas mal franchement. Mais malgré tous ces soucis innombrables, elle me permet encore d'aller au boulot. Il me reste un peu plus de 2 semaines, je pense que tu verras cette vidéo, environ 2 semaines encore d'attente avant de récupérer mon permis. Enfin bref, passons rapidement à l'essentiel avant que la vidéo, que la caméra plante. Donc de base, j'avais une autre ligne, je l'ai changée parce que la patte de fixation avait lâché. Comment te dire que quand tu roules, tu passes d'un son aigu à brrr, ça fait tout drôle. Alors là mon copain, ça fait tout drôle. Là au niveau du pot, on a un trou, on voit même le joint, super, c'est nickel, ça fait plaisir, qu'est-ce qu'on rigole. Là l'embouguido, il est complètement pété. Et il y a plein de gens qui me matent, ça fait plaisir. Ok. Ouais, tu peux la mater à la 50, il n'y a pas grand chose à mater, moi je te le dis. Hein. Ensuite, la poignée de frein à l'embout, il est pété, super. Câble qui sort, je sais pas ce qu'il fout là, j'en sais plus. Les rétros d'origine, je les ai plus, il me reste celui-ci. Et bon, comment te dire, regarde juste là, alors avec les vibrations, ça part dans tous les sens. C'est assez rudimentaire. Le compteur, on n'a pas de rapport engagé, on n'a pas les tours minutes. Quand je l'ai eu, les clignots ne marchaient pas, je vais faire des branchements, donc maintenant il fonctionne. Par contre, je n'ai pas de feu de stop. Le feu de stop, il fonctionne pas. Bon. Je te l'accorde, c'est assez dangereux, mais au bout d'un moment, on va dire que tu t'y fais. Enfin, c'est surtout les gens qui sont derrière qui s'y font. Je te demande pardon. Pour l'instant, je touche du bois. Personne m'est encore rentré dedans. Mais c'est super ça. Quand je l'ai récupéré aussi, le kit chaîne, il était complètement mort. J'ai dû le changer. Je sais pas si tu peux le voir là, c'est du doré. Donc, ça signifie que c'est un kit chaîne renforcé. Il devrait un petit peu mieux tenir, les maillons sont renforcés. Là, un cache qui manque. Il manque un petit cache ici. Ensuite, le sélecteur de vitesse, bah, tu vois bien qu'il est mort. Hein. Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Tu me diras, mais comment tu passes tes vitesses? C'est très simple. Il faut que tu fasses l'action du ressort avec ton pied. Vu que le ressort ne fonctionne plus, l'axe principal, il est mort. Donc c'est simple, tu claques la première en bas comme d'habitude. Tu claques la deuxième en haut comme d'habitude. Sauf qu'ensuite, le sélecteur, il reste bloqué en haut. Parce qu'il n'y a plus le ressort qui permet de faire clac-clac. Donc quand tu es en deuxième, si tu veux passer la troisième, il faut que tu mettes une pichenette avec ton pied. Comme ceci, pour qu'il revienne en position initiale. Et à ce moment-là, tu peux claquer la troisième. Pareil pour la quatrième, etc. T'es en troisième, clac-clac, quatrième, clac-clac, cinquième, clac-clac, sixième. Et c'est pareil pour baisser les rapports. Tu fais clac-clac, tu le remontes, tu redescends, tu remontes, tu redescends. Enfin, bref, il faut s'y faire. Au bout de 2-3 jours, tu t'y fais. Et voilà, après, c'est kind of problème. Voilà, lui, il s'envole encore. Ça me casse les couilles. Là, elle sointe un petit peu. Voilà, elle perd un petit peu d'huile de temps en temps. Hein. Bon, c'est pas, c'est rien de méchant. Hein. C'est 2-3 gouttes peut-être dans la journée, donc ça va. J'espère que tu l'entendras pas à la caméra, mais il y a un vent de ouf. Et j'espère que le micro, il fera le café. Promis, on va se retrouver sur la route, mais là, j'en profite d'être là pour vous faire un topo sur la 50. Le starter ici, pareil, il marche pas. Je pense qu'il faut faire le branchement.
Enfin bref, du coup je la kick à la main hein, comme ça, vu que c'est un moteur d'une 50, c'est facile à kick. Avant je le faisais au pied, mais à force de le faire au pied, ça m'a niqué une botte. C'est aberrant mon gars, il y a des rafales, je sais même pas si je vais réussir à décoller. Attends, je te le démarre. Voilà, c'est aberrant. C'est aberrant, mais faut s'y faire. Plus que 2 semaines. J'espère que tu m'entendras encore. Hein. J'ai un petit peu haussé le ton de ma voix. Le petit like, abonne-toi. Comme dit, je sais même pas si je te mets des séquences sur la route. Parce que c'est aberrant le bruit. Putain, vas-y, je vais effrayer tout le monde là. Bam, bam, bam. En plus, j'ai croisé les gendarmes avant. Je pense qu'ils m'ont fait signe de venir. Mais ils étaient en plein contrôle, il y avait du monde. J'ai fait mine de pas les voir. J'ai fait genre de contrôler mes angles morts. En mode, ouais, moi je vous vois pas, hein, je fais ma life, hein. Ciao. Oubliez-moi, je suis invisible. Malgré le bruit, oubliez-moi, je suis invisible. Et voilà, le mec là, il hésite pas. Hein. Pas de clignot, roule en plein milieu. C'est très beau. Ah, il m'a fait lever, ça fait zizir. Bon, je vais essayer de te parler uniquement quand je décélère. Sinon, on t'entendra rien. J'ai prévu de faire designer un logo unique à mon effigie, à Stealth Biker. Je pourrais ensuite dériver sous forme de stickers, pulls, de casquettes ou autre. Surtout, histoire de vous faire une belle intro, une belle outro, où je refasse ma bannière YouTube. Ouais! T'es un bâtard, là. Eh, 20 obstacles, le mec, il dévie, eh. Je suis là, moi. Faut que je me refasse un beau logo pour YouTube, Insta, TikTok, tous les réseaux, tout ce qui bouge. Histoire que ce soit un peu plus carré dans l'axe, si tu vois ce que je veux dire. C'est le moment de prier pour que la vidéo elle fonctionne. Hein. Franchement, j'en peux plus. Vivement la GoPro Hero 11 que j'ai commandé là. Eh putain, mais attends, j'y pense. Là, je vais repasser devant le rond-point, il y avait les flics tout à l'heure. Ah, j'espère qu'ils y sont plus, hein. Ça fait 2 heures presque. Enfin, j'espère vraiment qu'ils sont pas là, ils vont me casser les couilles après. J'ai pas envie de me payer une trune là. J'ai pas de quoi la payer, merde. Mais qu'est-ce que tu me baragouilles? Je vais rester caché derrière Schmitt. Dès que je récupère le permis le 4 août, dis-toi que le lendemain je mets un shifter dessus. Un petit shifter up. On va lâcher des racata racata pac pac avec. Oui, oh, j'ai hâte le shifter. Hein. Un shifter up. Ça c'est trop. J'ai déjà prévu quelques trucs sympas. J'ai prévu de faire une petite vidéo où j'effraierai les gens avec des coups de calache. Ah, mais je vois où on est là. RAS. Ah, sale fou là. Sale malade, putain. T'as levé en combien? T'as levé en combien? Mais chier, j'ai pas encore le shifter. Tu veux qu'on fasse à gauche ou pas? On reste là. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu fais quoi? Tu te rabats, putain. Je me laisse passer ou pas? Je me dis si je me fais... Si je me fais... Magnifique. Il y a moyen de bien rigoler avec ça. J'adore rire. Tu veux, j'ai un petit bloc-notes où je note toutes mes idées de vidéos dedans. Et je peux te dire qu'il y en a déjà pas mal qui vont arriver. Oh, c'est aberrant. C'est pas possible de faire des vidéos dans ces conditions-là. C'est une 50 qui gueule la mort. Du coup, je dois gueuler. J'ai mal à la gorge, j'ai mal à la voix. Oh là là, j'ai mal à la voix. Ça veut rien dire, ça. Rien compris moi. Ah là là, qu'est-ce que je fais pas pour vous? N'hésite pas à t'abonner. Mets la petite cloche, c'est le plus important. Parce que là, je vais t'envoyer beaucoup de contenu avec la nouvelle GoPro qui arrive. Histoire de vous faire kiffer de plus en plus. J'ai aussi prévu de faire pas mal de TikTok. Donc rejoins-moi également sur TikTok. Je te le mets là. Et par ici. C'est un JPP là. Les 6 mois les plus longs de ma life. C'est une vidéo assez courte. Enfin, je pense. On verra au montage. Non. Ta gueule le kleps. Je fais que passer là. Laisse-moi finir ma vidéo. C'était cette biker.
Et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo et dans de meilleures conditions. Ciao.